وليس فقط المسؤولين. Une aire d'autoroute au nord de la Grèce. Un froid glacial et l'attente pour des centaines de migrants. C'était fin janvier. La plupart arrivent directement de Syrie, comme plusieurs centaines de milliers de leurs compatriotes l'ont fait l'an dernier. Ces Syriens ont pris le chemin de l'exil en Europe, et le rythme ne faiblit pas. J'ai tout perdu. La guerre ne s'arrête jamais là-bas. Il y a trop de gens tués tous les jours. C'est pas une vie. On cherche juste la liberté. J'ai besoin de rien, juste de liberté. Bonsoir. Un œil sur la planète a décidé ce soir de s'arrêter sur la Syrie. Cela fait hélas 5 ans que le conflit a démarré. Il s'est enlisé dans une guerre atroce qui a brisé des centaines de milliers de destins. Ses répercussions débordent aujourd'hui largement de ses frontières. L'Europe se voit même ébranlée par la crise des réfugiés. 5 ans de guerre, c'est une éternité et le bilan est édifiant. 260 000 tués, 8 millions de Syriens déplacés à l'intérieur de leur pays, 4 millions réfugiés à l'étranger. Cela veut dire qu'un Syrien sur deux a dû quitter sa maison. Comment a-t-on pu en arriver là? Comment une guerre civile dans un petit État, un tiers de la France, a-t-elle pu se transformer en conflit mondial impliquant les grandes puissances? Sans doute parce que trop d'erreurs ont été commises dès le départ de part et d'autre. Peut-être aussi parce que trop d'acteurs se sont immiscés dans le conflit. Ce soir, nous allons essayer d'y voir plus clair. Syrie, le grand aveuglement, c'est le 52e numéro d'Un œil sur la planète. Ce qu'il reste de la ville de Homs, filmé par les drones de l'armée russe. C'est à cela que ressemble la Syrie que des centaines de milliers de réfugiés ont quitté. Un pays déchiré, divisé aujourd'hui entre 4 forces distinctes. Le gouvernement contrôle 25% du territoire. La rébellion, 20%, les Kurdes au nord, 15%, et le reste est aux mains de l'État islamique. Mais quand on regarde de plus près, on réalise que les 2/3 de la population restée en Syrie se sont regroupés dans le territoire encore contrôlé par le gouvernement syrien. Des réfugiés de l'intérieur qui fuient les combats au sol, les bombardements aériens du régime, Daesh, et on le sait moins, il fuit aussi certains groupes rebelles qui partagent la même idéologie que le groupe État islamique. Nous vous proposons ce soir un reportage très rare, au plus près de ces groupes rebelles djihadistes. Et vous allez le voir, leur ambition et leur détermination ne laissent aucun doute. C'est une scène quotidienne en Syrie, des rebelles partant à l'assaut d'une position de l'armée régulière. Attention, ils sont là-bas. Ils vont vous tirer dessus. Yahya les a vus. Des hommes jeunes, syriens ou étrangers. Leur bandeau rose, c'est le signe distinctif de leur groupe islamiste. Des combats acharnés rue par rue
Pour ces combattants attachés à une seule devise, la charia ou la mort. Un d'entre eux vient d'être touché au visage. Il ne survivra pas. Voilà à quoi ressemble la guerre féroce entre les groupes rebelles et l'armée syrienne. Une guerre très difficile à couvrir pour les journalistes. Les risques d'enlèvement et de manipulation sont constants. Il y a quelques mois, un journaliste algérien indépendant a pu suivre un groupe rebelle djihadiste. Yassine Ben Rabia, un habitué des zones de guerre. Il s'est rendu plusieurs fois en Syrie, où il a même été blessé. En 2012, une de nos équipes qui suivait un médecin français l'avait alors filmé aux urgences dans un hôpital d'Alep. Docteur, s'il vous plaît, je ne veux pas dormir. Hein. Non, mais tu ne vas pas dormir, ça c'est la piqûre antitétanique. En juin 2015, Yassine Ben Rabia est retourné en Syrie. Le voici se filmant en tournage. Ses contacts lui ont permis un accès privilégié à divers groupes djihadistes. Son reportage exceptionnel nous éclaire aujourd'hui sur le fonctionnement et l'idéologie de ces formations. Allahu Akbar. Ces groupes combattant au nom de l'islam, il en existe des dizaines en Syrie. Cet homme au keffieh rouge dirige l'un de ces groupes. C'est un vétéran du djihad. Il a fait ses armes en Afghanistan, en Tchétchénie et dans les Balkans. Ce jour-là, il réunit un conseil de guerre dans son fief, près de la ville d'Idlib. Tous ces hommes représentent des factions distinctes de quelques dizaines de combattants. Différents noms, différents chefs, mais tous embrassent une seule et même cause, se débarrasser de Bachar el-Assad pour créer un califat. Un État islamique est le vœu de tout musulman. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre de posséder tout le territoire syrien pour commencer à appliquer la charia. Nous l'appliquons d'abord à nous-mêmes et dans les territoires au fur et à mesure que nous les contrôlons. Cet enfant qui exhorte les combattants à l'unité est le fils du chef au keffieh rouge. Quelques semaines après ce tournage, ce chef djihadiste a été tué dans un bombardement attribué aux avions russes. Le groupe djihadiste qu'a pu suivre Yassine Ben Rabia se fait appeler les partisans de la foi. Voici leur quartier général au cœur d'Alep. Une ancienne école élémentaire. Une des salles de classe est désormais une armurerie. Fusils mitrailleurs, lance-roquettes, les combattants s'équipent pour une séance d'entraînement juste en bas, dans l'ancienne cour de récréation. Bon, d'abord les gars, en tant que Moudjahidine, dès qu'on tient cette ferraille entre nos mains, on doit commencer le combat contre nous-mêmes. Cet instructeur à la barbe rousse est syrien. Abou Leif, 27 ans, chargé des nouvelles recrues. Regardez, cette arme je la maîtrise. Elle est loin de mon corps. Je vise. J'avance avec, je reste à l'aise dans toutes les positions.
maniement des armes et étude du Coran. Un apprentissage censé renforcer leur détermination sur le front. Ces recrues sont venues du monde entier pour faire la guerre sainte en Syrie. Cet homme aux lunettes fines est leur chef. Il est d'Alep, musulman sunnite. Et pour lui, depuis le premier jour, cette guerre est une guerre de religion contre la minorité alaouite, également musulmane, mais d'obédience chiite. Nous combattons Bachar al-Assad parce qu'il est chiite et que nous considérons les chiites comme des hérétiques. Il n'applique pas la charia et cela crée un gouffre entre lui et le front islamiste. Ce groupe appelé les partisans de la foi affirme n'avoir aucun lien avec l'État islamique. Pourtant, au-dessus du porche de son quartier général, il y a le drapeau du groupe État islamique. Une illustration de la complexité de la nébuleuse djihadiste et des alliances qui la composent. Car ces factions sont tantôt rivales, tantôt alliées, au gré de leurs intérêts. Étonnamment, les djihadistes conduisent le journaliste dans un de leurs lieux stratégiques. Un de leurs arsenaux au cœur d'Alep. Une sorte de coopérative où les différentes brigades fabriquent ensemble leurs munitions. Nous retrouvons le combattant à la barbe rousse, celui qui formait les recrues au quartier général. Il est venu superviser une commande de canon. Tu mets les deux cylindres sur les côtés, ensuite tu les fixes dessus, et là, tout ce qui sort du canon part bien. Dans cette autre salle, des bonbonnes de gaz sont nettoyées pour servir de charge explosive. Non, non, attendez, c'est pas comme ça, les gars. Il ne faut pas seulement mettre de l'aluminium. Il faut mettre le soufre avec l'aluminium et après tu mélanges bien. Ensuite tu vois avec lui. L'atelier tourne 24 heures sur 24. Ces armes, pourtant artisanales, infligent d'importantes pertes à l'armée syrienne. En 5 ans, ces groupes ont appris à perfectionner leur armement, mais aussi leur stratégie. Ce soir-là, dans un lieu tenu secret, le groupe des partisans de la foi révise un plan d'attaque. Si nos hommes sont bien courageux, ils vont tous les avoir. Ils arriveront au bon endroit et mon plan aura réussi. Sur cette ligne de front aux abords de l'attaquier, plusieurs groupes ont réuni leurs forces. Là encore, on retrouve le drapeau du groupe État islamique. Face à eux, les soldats de l'armée syrienne. Il faut raccourcir le tir. 100 mètres, il faut se recentrer, corriger la visée de 100 mètres. Au-dessus du talus, tu dois viser au-dessus. Décale-toi un peu. Et voici comment les bouteilles de gaz préparées à l'atelier sont tirées sur le camp adverse. Des armes bricolées, mais aussi des armes lourdes, bien plus sophistiquées, dont les djihadistes taisent l'origine. La distance est de 516 mètres. Non, 519. Abou Layef, le djihadiste à la barbe rousse, cherche à affiner les tirs qui tombent manifestement à côté.
Il décide de partir à découvert pour mieux définir les positions ennemies. Vas-y mon frère, au nom de Dieu. Les frères sont répartis sur plusieurs axes autour de ce village. Ils creusent des tranchées pour créer une route de ravitaillement. Et nous, de notre côté, nous sommes en train de bombarder les remparts, des mécréants et des ports pour faire diversion pendant que les frères poursuivent le travail. Combattants novices ou plus expérimentés, ces escadrons du djihad se perfectionnent jour après jour. Déterminés à gagner coûte que coûte, et ils s'en donnent les moyens. L'homme qui arbore un bandeau du groupe État islamique est le chef d'un chantier absolument titanesque. À l'entrée, il faut enjamber les ouvriers qui y travaillent nuit et jour. Il s'agit d'un tunnel creusé à 6 mètres sous terre. Une galerie de 5 km pour circuler sous les territoires contrôlés par le gouvernement syrien. C'est très étroit. Oui, on leur a déjà dit. C'est très étroit. C'est très étroit. Il faut l'élargir. Mais ils nous disent que chaque centimètre creusé représente 10 brouettes de gravats. Un ouvrage démesuré, à l'image des ambitions de ces groupes armés. Notre djihad ne se limite pas à la Syrie. Il s'étend à tous les pays musulmans. Et si Dieu le veut, nous irons y dresser la bannière d'Allah et y appliquer ses lois. Aux côtés des djihadistes, des prisonniers, soldats de l'armée syrienne, effectuent ce travail de forçat. Face caméra, ces hommes se déclarent désormais contre le régime syrien, mais ont-ils vraiment le choix? Avant, on était du côté du régime qui insulte le prophète. Et maintenant, nous sommes prêts à nous faire exploser contre lui. Si on n'arrive pas à les combattre à la surface, on le fera depuis ce tunnel. Si Dieu le veut, on va les égorger un par un, ces infidèles. Ce soir-là, au quartier général des partisans de la foi à Alep, les combattants dansent. Et ce qu'ils célèbrent n'a rien d'ordinaire. C'est une fête d'adieu à l'un des leurs. Celui qui danse à gauche, il s'agit d'Abou Layef, le djihadiste à la barbe rousse. Une fête d'adieu, car Abou Layef vit ses dernières heures. Demain, il va faire une opération suicide. Et c'est lui-même qui prépare sa ceinture d'explosifs. Notre devoir est difficile. Ces porcs et ces mécréants sont en train d'abuser nos femmes et de voler nos terres. Et je jure par Allah que nous allons les combattre avec ça. Il y a des combattants valeureux en Syrie. Les gars, je serai le premier à y aller. Qui viendra avec moi? Hein, les gars, qui? Plusieurs mains se lèvent. Un des combattants filme la scène, des images destinées à leur propagande. Pour ces hommes, mourir en martyr est un privilège. Dernière prière pour le candidat kamikaze. Autour de son cou,
le fil rouge du détonateur de sa ceinture explosive. Il se retire seul quelques minutes avant de faire ses derniers adieux. Le kamikaze salue tout le monde, même cet ancien soldat de l'armée syrienne, converti à la cause. Je suis fier de toi, plus que de mon frère. Grâce à Dieu. Quel changement! Tu as servi chez les tyrans? Grâce à Dieu. Et aujourd'hui, tu es au service d'Allah. Je suis prêt. Maintenant, tu es prêt pour les missions. Et tu seras à la hauteur. Adieu tout le monde. Une véritable émotion, mais troublante, quand on sait que cet homme s'apprête à commettre un attentat suicide. Au petit matin, voici son objectif. Cette tour où sont positionnés des snipers de l'armée syrienne qui empêchent les djihadistes d'avancer. Abou Layef vient d'y pénétrer. Allahu Akbar. Une opération suicide devenue la signature de ces djihadistes à la détermination sans borne. Ce jour-là, la route est libre pour les djihadistes. Des images qui